Yo yo yo, c'est l'Aplomb Junior une fois de plus, et donc je ne sais pas si je mettrai le premier event de JVC Raft sur YouTube, mais en tout cas voici le deuxième de la soirée. Il s'agit de cette fois du Night of Death, le serveur jvcraft.fr. Donc le but c'est donc des joueurs contre une horde infernale de zombies. Au passage, cet event il me tient fort à cœur parce que c'est le seul event que j'ai réussi sur le serveur, c'est-à-dire que j'ai fini premier, j'ai eu un bloc de diamant, c'était magnifique. Il m'avait bien amusé. Donc cette fois le prix c'est un bloc de diamant et un bloc de lapis. Si vous savez pas pourquoi un bloc de lapis qui peut sembler inutile, c'est lié à la 1.8 qui fera que le lapis sera nécessaire pour réaliser les enchantements. Très bien. Oula, il y a beaucoup de zombies. Oula là, vite, vite, il faut se défendre. Ta-ta-ta. Ça me rappelle de mon souvenir, ça. Là, je vais rester bien tranquille dans cette zone. Oula. Windows 8 me signale une utilisation importante de la mémoire par Fraps. Donc JVC Raft, c'est un serveur où la communauté est franchement très libérée, dingue. Je crois que la moyenne c'est 16 ans. Apparemment, il faut que tout le monde aille dans l'église. Je sais pas trop, c'est pas bien précisé. On va avoir des soucis d'épée là, je pense. Bon, apparemment l'église n'est pas un endroit très conseillé pour la survie pour le moment. Oh tiens, une patate, ça peut toujours être utile. Oula, dans 5 minutes le PVP va être autorisé et je crains que de me faire tuer très facilement. Bon, je vais rester bien tranquillement sur mon arbre, hein, bien tranquille, bien pépère, en train de patienter, en espérant que d'autres personnes se fassent tuer. Okay, on a combien de protection? 3,5, donc j'ai moins de 40%, j'ai un petit peu plus de... J'ai entre 20 et 40% de protection. Ils sont tous planqués là-haut, bien en groupe, bien tranquille. Et voilà, le maître du jeu vient tout à fait de préciser le problème de la tactique qui consiste à se planquer. Mais je sais, je parle pas beaucoup pendant les événements, mais bon, je me concentre sur l'objectif. Oula, d'ailleurs,
Passage. Vous voyez, je commence à parler et hop, voilà, je commence à perdre. Et faut franchement que je fasse gaffe. Bon. Moi, je suis bien tranquille là-haut. Et Rock va se retrouver complètement bloqué par les zombies parce que bon, les spawners ont une limite d'invocation de 6, mais le problème c'est que les zombies ils ont une espèce d'intelligence collective. S'il en tape un, tous ceux dans un sacré rayon vont le courir après. Et du coup, bah, il va être un petit peu embêté lorsqu'il va avoir passé à l'action. Surtout si le serveur se met à laguer. Oulala. Oula, maintenant c'est moi qui suis. Il commence à passer. Il me coupe les deux un petit coup. Parce qu'on vient de durabilité 224 coups. Ça va pas durer longtemps ça. Oui, on peut dropper des têtes de zombies et d'autres mobs grâce au plugin Player S qui est installé sur jeuxvideo.com. C'est pareil sur le serveur Craft Tech, mais à part qu'à cause du passage 1.7, le plugin est interdit temporairement. Oui, j'ai peut-être pas précisé, mais le serveur est encore 1.6, hein, ce qui est la seule version stable sur Bucket. Donc j'ai utilisé une bonne méthode, je vais essayer de me planquer sur le terrain. Est-ce qu'ils vont poursuivre après? J'ai un petit peu peur. J'ai eu vraiment du bol parce qu'en fait les stuff étaient déjà fermés, le warp n'était pas enlevé, du coup je me suis retrouvé sans équipement juste avant l'ouverture de la porte. Ils ont dû avoir la gentillesse de m'ouvrir les coffres pour moi. C'est toujours la plonge qui cause des ennuis à l'équipe des serveurs. Merde, je suis en dehors de l'arène là, faut vraiment. Putain, je suis sorti de la zone. Bah, je suis vraiment mal parce que on n'a pas le droit aux griffes. Du coup, bah, ah voilà, peut-être comme ça, je vais peut-être pouvoir me sortir sans devoir briser la règle d'anti-griffes. Bon, je vais faire. Vraiment que je me. Bon, maintenant, je suis à nouveau dans la zone de l'arène. J'espère qu'on m'en tiendra pas compte. Sinon, ça serait un peu con. Oula, j'ai un peu peur là. Ah oui, ils sont en train de se battre là. Ils sont en gros groupe. Je me mets en sneak, hein. Je veux bien que j'en profite. Hein. J'ai un petit peu peur là, je dois bien l'avouer. J'attends que ma jauge de vie remonte. Parce que bon, dans un truc comme ça, avec énormément de joueurs, le seul moyen de gagner, c'est. Ah, mon skin remarche, ça c'est du bol. Ça. Du bol parce que en fait j'ai eu des problèmes de skin, tout le monde a eu des problèmes de skin depuis le début de la soirée, donc j'ai pu parler moi, et donc durant ma première vidéo j'étais en mexicain, en Jean Kevin. Hmm.
proximité. Et désolé d'avoir parlé, de plus avoir parlé là parce que je crois un peu au jeu. Et donc, je sais pas trop si ma victoire va être validée parce que je suis un la limite un peu floue. Ça a dit de sortir de la limite, mais bon, l'arbre est dans la limite, mais en dessous, c'est pas, ça ne le serait pas le problème. C'est que, d'un point de vue logique. D'un point de vue logique, ça veut dire que si un zombie qui me pousse, donc je ne suis pas responsable, me met hors limite, je peux pas prévoir. Franchement, je crois que la limite est mal faite. Allez, hein, faut tout si on est là, c'est pour s'amuser hein, avec l'event. Allez.